La Guinée a signalé l'épidémie samedi, la première en près de 5 ans. 5 personnes en sont mortes, tandis que les deux pays ont signalé un total de 19 cas. Les autorités guinéennes cherchent les personnes susceptibles d'avoir eu des contacts avec les patients et les vaccinations ont commencé. L'Organisation mondiale de la santé exhorte les gouvernements à contenir la désinformation. L'OMS travaille en étroite collaboration avec les autorités sanitaires des deux pays pour s'engager avec les communautés touchées afin de renforcer la confiance et l'acceptation. Ebola et la COVID-19 sont deux maladies très différentes. Les deux maladies se développent sur la désinformation et la méfiance, mais les deux peuvent être arrêtées avec des mesures de santé publique éprouvées, des communautés engagées, des informations précises et des vaccins.